On est sur la page Facebook de la Fédération Tahitienne de Football. On est également à la veille du match, le deuxième match face à l'équipe de Pologne. Comment se sentent les joueurs avant d'attaquer ce deuxième match de Coupe du Monde? Ben, avant d'attaquer, on est très concentrés. Hein. Tous les joueurs sont concentrés. Après le premier match, beaucoup de déceptions, mais là, on va essayer de vite réagir par rapport au premier match. Et voilà, on sent beaucoup de concentration dans le groupe. Vous étiez un peu fébrile, quelque peu. C'est le stress qui vous a un petit peu envahi pour ce premier match? On l'a senti? Ouais, c'était une première pour nous tous. Hein. Et je crois que c'est le stress, la pression qui nous a envahi, qui a pris le dessus sur le jeu. Et je crois que c'est à cause de ça qu'on n'a pas joué notre jeu, hein. Qu'on s'est pas donné à fond. Et voilà, je crois que c'est à cause du stress, de la pression. C'est tout nouveau pour nous ça. Et c'est une première, mais voilà, maintenant on sait à quoi s'attendre pour le prochain match. Et on va essayer de vite réagir et réagir bien. Là, vous allez à l'entraînement, c'est le dernier entraînement, veille de match. Oui, veille de match. Je crois qu'on fera la même veille de match que le premier match. Et voilà, c'est toujours les mêmes. C'est la routine quoi, de veille de match. Et voilà. Un dernier mot sur l'ambiance dans l'équipe. Ouais, il y a une bonne ambiance. Hein. Comme vous le voyez tous les jours. Plus on se rapproche du match et plus on est concentré. Mais sinon, il y a toujours une bonne ambiance dans le groupe. Dernier mot, demain c'est le pays hôte, la Pologne. Les tribunes seront pleines, il y aura 15 000 personnes. Ouais, je crois un peu plus. Hein. Et voilà, c'est pertinemment qu'il y aura du monde. Et voilà, j'espère que le stress, la pression des spectateurs, tout ça, ne va pas nous envahir et prendre le dessus sur le jeu. Est-ce que c'est pas à la Pologne qui a perdu son premier match également, qui joue à la maison, d'avoir le stress plutôt? Ouais, c'est sûr que jouer à domicile, il y a beaucoup de stress aussi, jouer devant le public, en plus après une défaite au premier match. C'est sûr qu'il y aura de l'enjeu dans le match de demain. Et voilà, je crois que nous, on doit aborder le match serein, calme, et voilà. Un dernier mot pour les amis Facebook de la FTF. Ben, déjà, merci à la FTF hein, pour tous les moyens qu'ils nous ont mis pour cette Coupe du Monde. Et voilà, demain, il va falloir être au rendez-vous, on a besoin de vous. Voilà.